que nous allons vous présenter ont été réalisées en 2011 par Yasmine Muaremovic. Il a travaillé sur une série de sept gravures réalisées sur le même modèle. Le centre de chaque gravure est argenté et le contour est doré. Ces gravures sont toutes faites en relief. En gravure, le relief se nomme le gaufrage et le doré et l'argenté sont les marquages à chaud. Cette série a pour thème la monnaie. Ces gravures sont réalisées sur le même modèle que la monnaie, c'est-à-dire qu'on a un support appelé matrice que l'on peut imprimer plusieurs fois. Pour autant, chaque tirage est une œuvre originale. Chaque gravure représente un pays avec son histoire en 2011. Ce projet a été organisé et réalisé par les élèves volontaires du Collège et du Lycée de l'INJA, Institut national des jeunes aveugles. Ensemble, nous avons étudié ces gravures afin de vous proposer des audio guides. Ces audio guides ont été réalisés par des sixièmes Alicia, Kenza, Lisa, une cinquième Armeline, des quatrièmes Noah, Eva, Abel, et une seconde Moi, Camille. On vous laisse la possibilité de deviner ces pays qu'on a étudiés. Bonne chance C'est une pièce de monnaie de la taille d'un CD environ. Elle ressemble à une pièce d'un euro. L'intérieur est de couleur argentée et la bordure extérieure est dorée. C'est une gravure. Le relief est en gaufrage et les couleurs ont été faites en marquage à chaud. Il y a une femme tenant une baguette représentée au centre de la pièce. Autour, disposée sur la bordure dorée, il y a douze couronnes. La femme tient une baguette pour montrer qu'elle mène son pays et l'Europe à la baguette. En 2011, année de réalisation de cette gravure. Je suis un pays développé. Je suis un pays européen. Je suis un pays voisin de la France. Je suis un pays qui a une chancelière. Ma capitale est Berlin. Qui suis-je C'est une gravure qui représente une pièce de monnaie. Cette gravure est un gaufrage dont le centre argenté et le contour doré grâce à un marquage à chaud. Au centre, il y a un homme qui retourne ses poches de pantalon. Il porte une cravate et on ne voit ni ses pieds ni sa tête. Autour du personnage, sur la partie dorée, on voit une inscription qui est celle d'une banque. Cette gravure a été faite en 2011 et représente la crise économique. Je suis un pays européen. Je suis au sud-ouest de l'Europe. Je suis une île de la mer Méditerranée. Dans ce pays, les gens sont à 78% chrétiens orthodoxes. J'obtiens mon indépendance du Royaume-Uni le 16 août 1960. Mon nom a six lettres. Je suis un pays voisin de la Grèce. En 2013, mon économie a été très touchée par la crise grecque. Qui suis-je Il y a un gaufrage pour le centre de la pièce et un marquage à chaud pour le contour. Cette pièce représente au centre le portrait d'un homme, d'un air pas très sympathique avec un sourire en coin. Sur le contour, il y a des cœurs avec la pointe vers le haut. Ce pays est situé au sud de l'Europe, près de la mer Méditerranée. Il est frontalier de la France, de la Suisse, de l'Autriche et de la Slovénie. Ce pays est représenté par une botte. Ce pays peut être associé au romantisme et à l'amour. En effet, sur le contour, il y a les cœurs qui le représentent. Et sur la tête du personnage situé au centre de la pièce, il y a des seins, comme s'il ne pensait qu'aux femmes. Ce personnage est un homme politique. Cette pièce représente cet homme, car il a eu plusieurs histoires avec des femmes. Qui ont fait scandale. Ce pays aurait très bien pu être représenté par des pizzas ou des glaces, qui sont des traditions de ce pays. Qui suis-je Cette œuvre est réalisée en gaufrage pour le centre et en marquage à chaud pour le contour de cette pièce. Au centre, il y a écrit 0,85 euros en très épais. Sur le contour, il y a des pointillés alignés et serrés, les uns à côté des autres. Ce pays est situé cette fois plus au nord de l'Europe et au nord de la France en traversant la Manche. Ce pays est plus précisément un royaume. Ce 0,85 euros représente une monnaie un peu spéciale qui serait la monnaie spécifique à ce pays car ce pays bien à part est un des pays qui ne fait pas partie de la zone euro. Ce 0,85 euros serait équivalent à une livre sterling. Les pointillés sur le contour peuvent représenter une pile de pièces rangées dans une banque. Qui suis-je Sur cette gravure est représentée au centre une pièce de monnaie à peu près de la taille d'une main. Sur celle-ci se trouve un gaufrage avec une illustration où se trouvent des arbres au bord de la mer et des parasols en périphérie. Je suis un pays de l'Europe. J'ai des frontières communes avec trois pays. Mes plages sont au bord de la mer Méditerranée. Je suis petit, je suis très visité, il y a beaucoup de tourisme. J'ai une langue qui est slave, proche du russe, et je suis à l'est de l'Italie. Mes voisins sont la Slovénie, la Serbie et la Bosnie. Qui suis-je Cette gravure est en forme de pièce de monnaie et se situe au centre de la feuille. Autour il y a des signes hommes et femmes et au milieu deux hommes s'embrassent. Leurs mains se croisent. Je suis un des premiers pays de l'Union européenne. Je suis à l'ouest de l'Europe. Il y a eu un événement important entre 2011 et 2013. Mes habitants payent avec l'euro. Un président me dirige. D'après les touristes, je suis un pays romantique, et connu pour ma grande tour. Mon gouvernement a autorisé mes habitants, à aimer qui ils veulent, grâce au mariage pour tous. Plusieurs îles éloignées sont rattachées à moi. Mon drapeau est bleu-blanc-rouge. Qui suis-je Au centre de cette pièce, il y a une chouette affaiblie, voire même déplumée, qui représente le symbole du pays. La chouette représente aussi la déesse Athéna. Sur le contour de cette pièce, il y a des étoiles qui représentent le drapeau européen. Comme ce pays a été en grande crise économique, le fait qu'il n'y ait que huit étoiles pose la question qu'il n'aurait pu ne plus faire partie de l'Europe. Le centre de cette pièce est réalisé en gaufrage et le contour en marquage à chaud. Je suis un pays en mer Méditerranée. Ce pays est au sud de l'Europe. Au nord de ce pays, il y a comme pays frontalier la Bulgarie, la Macédoine et l'Albanie. Je suis un pays où il y a une grande histoire mythologique. Je suis un pays très pauvre, surtout en 2011. Qui suis-je